Nice, Bordeaux, Saint-Étienne, bon, on a joué des équipes costauds, mais c'est vrai que Lyon, c'est un très très grand club français. C'est le club qui a dominé de façon un peu hégémonique le football français dans le début des années 2000. Hein. Un monument du football français. Donc voilà, c'est un grand honneur pour nous, c'est un grand plaisir de préparer une telle rencontre, de jouer un adversaire d'un tel prestige. Voilà. Donc effectivement, c'est un des très gros du championnat, une équipe qui en plus reste sur deux grosses performances. Une victoire contre Monaco, une victoire en Europa League à l'extérieur contre un club de Première Ligue. Donc un adversaire forcément en confiance. Donc un gros, gros challenge, un gros défi qui se présente. Quand on sait qu'on va jouer contre un grand club avec de grands joueurs, des internationaux, des gens redoutables, Mariano Diaz qui marque but sur but, Traoré, Depay, Nabil Fekir, bon, c'est une puissance de feu hors norme. Maintenant, ils ne sont peut-être pas encore au niveau où ils espèrent être. Le fait d'avoir joué jeudi en Europa League, ça peut être un argument peut-être positif pour nous ou pas. C'est le match qui nous le dira. En tout cas, nous sommes bien préparés. On a fait une bonne semaine d'entraînement. On est sur, nous aussi, trois résultats très positifs. On est sur 7 points pris sur 9 sur les trois derniers matchs. Avec quand même des performances au niveau mental. 2 victoires à 10. Une égalisation arrachée à la 92e à Lille. Donc tout ça, ce sont des ancrages très positifs pour nous, sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de, bien entendu, avec tout le respect et toute la différence que l'on connaît entre les deux équipes, pour espérer quand même jouer un match sans complexe avec notre générosité et j'espère parfois notre insouciance. Voilà, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Nous restons quand même parmi les rares équipes à être à moins de 10 buts encaissés dans ce championnat de Ligue 1, ce qui n'est pas une mince performance pour une équipe comme la nôtre. Donc on va essayer de poser des problèmes à cette équipe lyonnaise avec, j'espère, l'appui d'un public, de supporters enthousiastes qui doivent avoir conscience de la difficulté de la tâche et qui doivent être à fond avec nous, derrière nous, tout au long d'une telle rencontre. On est impatients de jouer à une telle rencontre. Hein. Pour nous, c'est un peu comme une rencontre de coupe. Hein. On est les petits, on va essayer de se mesurer, de se confronter aux grands, de s'évaluer aussi, d'évaluer nos progrès à travers une telle rencontre. On a tout à gagner dans ce genre de match. Donc voilà, c'est surtout être nous-mêmes, avec, en s'appuyant très fort sur ce que l'on fait très bien.